Amiens, 7 avril 98. Je crois que ça a été pour moi dans ma carrière l'un des plus grands moments sur un plan émotionnel d'une part, puisque donc le titre a été gagné à Amiens. Donc avec une équipe exceptionnelle et on connaît la valeur des joueurs maintenant puisqu'on avait Christophe Alouette dans la cage qui est en NHL. Et je dirais avec la communion avec les supporters, ça a été quelque chose de grandiose. Bah, c'est vrai que ce titre de 98 a été particulier parce qu'on n'était pas à Grenoble, donc on n'avait pas du tout conscience de ce que ça a pu susciter comme émotion. À la patinoire Clémenceau, 4000 personnes assistent au sacre sur écran géant. Super match, il mérite le titre, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, Grenoble ! Super équipe, super public, c'est le feu, c'est génial. On a gagné ! On a gagné ! L'image la plus forte, c'est lorsque nous étions tous dans le bus et que nous sommes arrivés accompagnés en plus de deux motards, ce qui nous avait très surpris depuis le péage de Vorep. En arrivant sous le boulevard Clémenceau, soudainement, cette foule. Le moment vraiment extraordinaire, c'est effectivement quand on arrive boulevard Clémenceau, où il y a une foule immense qui nous attend, toute la rue bloquée, la police qui fait la circulation et là, on descend tous du bus avec la coupe au milieu des supporters. C'est vrai que c'était un moment assez inattendu et donc du coup inoubliable. Fin 98, la bande Alemoine va encore faire des exploits. Première victoire française en Ligue des Champions, c'est historique. L'entraîneur Jaroslav Jágr, dit le sorcier, part avec les honneurs. Et puis au printemps 99, on va vivre une demi-finale de Ligue Magnus d'anthologie. Mené 2-0 à Amiens, Grenoble gagne ses deux matchs à Clémenceau en prolongation. La cinquième manche en Picardie sera fatale aux Grenoblois, mais cette demi-finale est gravée dans l'histoire du club. Gravée aussi cette demi-finale en 2001 face à Rouen. Là encore, deux matchs de folie à Grenoble. Là encore, Grenoble battu finalement en cinq manches. Mais l'ambiance à Clémenceau restera à jamais dans le cœur et les oreilles des Grenoblois. C'est vrai que cette ambiance de Clémenceau était particulière parce que il n'y avait pas eu d'études, je pense, sur la sonorisation. Et donc c'est vrai que du coup, on avait l'impression que le public était sur la glace. Il y avait 2000 personnes qui chantaient, mais ça faisait un vacarme énorme. Ça donnait cette impression de chaudron. En plus, les gens étaient vraiment très très proches de nous, très très proches des joueurs adverses. Donc ça rendait un climat un peu hostile, on va dire. Les spectateurs étaient vraiment très très proches de la patinoire. Il n'y avait quasiment aucune protection, il y a seulement la balustrade, même pas de plexi tout autour. Et c'est vrai qu'on avait, cette communion-là qui était très forte parce qu'on était, très très rapprochés. Clémenceau a vécu, Grenoble a besoin d'un nouveau standing. En 2001, une nouvelle patinoire sort de terre dans les quartiers sud de Grenoble. Qu'est-ce que vous faites là ? On trace le point central pour les engagements de hockey. En 1500 places, voici le théâtre des futurs exploits du hockey grenoblois. Bienvenue à Pôle Sud. On était
était un petit peu dans les greniers de Clémenceau. On arrive dans une belle patinoire, tout est propre, tout est nickel, 3500 places. La seule angoisse au début, c'est de savoir si on va la remplir en fait. Et voilà, c'est parti mon kiki. C'est assez impressionnant de jouer dans une patinoire cette envergure-là, parce que là on a vraiment du public tout autour, donc je pense que le jour où ce sera plein, à mon avis ça va en jeter. Par rapport à Clémenceau, il n'y a pas photo là? Non, il n'y a pas photo, mais je crois que Clémenceau a super bien vécu, a eu sa page d'histoire, et maintenant bah, ça va être à nous, si le club veut bien encore de nous, de construire une belle page d'histoire sur celle-ci. Je crois que quand on a la prétention d'être champion de France, quand on vise en permanence le titre de champion de France, quand on veut organiser les compétitions européennes, on se doit d'avoir une infrastructure comme ça. Les premières années Pôle Sud se soldent par une troisième place en 2001-2002. Benjamin Agnel, Christian Pouget, Joseph Podlaha ou encore Benoît Bachelet vont faire parler la poudre. En 2002-2003, la route s'arrête en demi-finale face à Rouen, fin d'un cycle de 3 années avec Dimitri Fokine sur le banc. Christophe, tu vas avec Crocker ici, ok? 2003, une nouvelle page va s'ouvrir. Lorsque Grenoble est venu me chercher à Reims, ils m'ont proposé un projet de construction. Et je préfère la construction que l'émission choc de dernière minute pour redresser un club ou des choses comme une équipe qui va mal. Et c'est vrai que ça m'a emballé et j'étais dans cette optique-là, avant tout, essayer de donner l'opportunité à ce club de construire quelque chose à moyen terme pour qu'il puisse durer dans le temps. Voilà. C'est vrai que dans ma tête, j'avais toujours l'envie de passer un jour entraîneur d'une équipe pro. Après, j'ai la chance, c'est que je pense, dès que Benoît a susurré l'idée au président de l'époque. Et ils sont venus me chercher. Et au fond, moi-même, j'étais un peu dans le doute parce que j'avais d'anciens coéquipiers qui jouaient encore. Et je m'étais toujours dit, jamais ça. Mais bon, l'envie était telle et la proposition si belle que je me suis dit c'est le moment de se lancer et on verra bien. Guénelon, le Chamoniard, 2 titres de champion avec Grenoble en 91 et 98. Ici, il est chez lui. Première saison d'entraîneur en 2003-2004, déjà il veut tout gagner, il veut des titres. Avec Patrick Roland dans les buts, Impérial, Gérald de Guénelon d'entrée va vivre une grande saison. Il va presque atteindre ses objectifs. Presque. Le groupe s'est renforcé avec l'arrivée notamment de l'international Laurent Meunier. Le parcours sera parfait en Coupe de France jusqu'en finale. La saison sera impeccable en Ligue Magnus jusqu'en finale.
deux finales, mais deux finales perdues. On a fait quand même une bonne saison, on termine premier de la saison régulière, on a été performant, il nous manque peut-être le petit déclic pour les finales, pour concrétiser sur la fin. Ça reste une belle saison sportive parce que on a fait de belles choses, on a fini premier de la saison régulière, on arrive en finale de la Coupe de France, malheureusement les deux finales que l'on joue, on les perd. En tant que première année d'entraîneur, c'était unique. Pour moi, c'était unique, j'avais du mal à le croire. J'avoue que j'ai été frustré, mais pas au point d'être, on va dire, aigri. Au contraire, je me suis dit, tiens, ça démarre bien. Cette année-là, la Coupe Magnus n'a fait qu'un passage à Grenoble, comme une sorte de repérage pour plus tard. Pour moi, je suis dans un objectif de construction, avec des gars qu'on est allé chercher... des jeunes qu'on intègre progressivement, et ça, c'est ça le gros point positif. Ça fait vraiment confiance, surtout dans la deuxième phase, on pensait pas qu'ils nous feraient jouer, puisque dans la première phase, ils nous connaissaient pas encore bien et on jouait pas. Mais vu qu'il y a eu les blessés, il a été obligé de nous faire jouer en quelque sorte, et on s'en est très bien sorti, je pense. Grenoble est un effectif qui a joué avec beaucoup de joueurs cette année, dont pas mal de juniors aussi, ça veut dire qu'il y a un beau potentiel derrière qui est peut-être pas prêt pour l'instant à prendre la relève, mais en tous les cas à se battre pour essayer de prendre la place à certains titulaires. À nous de nous servir de cette expérience pour justement rebondir l'année prochaine et de se dire que si l'occasion se représente, on sera prêt. Voilà, c'est tout. Prêt, d'accord, mais quand? Car l'expérience de la finale perdue en 2004 ne portera pas ses fruits tout de suite. Battu en demi-finale par Tours en 2005, puis contre Amiens, toujours en demi-finale en 2006, Guénelon et ses hommes sont frustrés, les supporters aussi. Cette Coupe Magnus commence vraiment à se faire attendre et à Pôle Sud, on commencerait presque à trouver le temps long. La saison 2006-2007 s'ouvre donc avec en tête toujours le même objectif, le titre. On savait que cette année, on avait peut-être encore une équipe effectivement un petit peu plus cohérente dans tous les secteurs. Un bon gardien, une assise défensive intéressante, une belle attaque et puis surtout une profondeur de banc qui pouvait nous laisser relativement tranquille quant aux blessures qu'on a pu connaître justement ces dernières années. Toujours avec dans l'optique malgré tout la défense puisque... Ça me paraît être l'arme essentielle pour être efficace. Et aussi pallier un peu le manque de réalisme qu'il y avait dans le groupe, puisque l'année dernière, il y avait beaucoup d'occasions de but et peu de réussite, on va dire. Donc voilà, le groupe avait été construit de cette façon-là. Mais c'est surtout qu'on est, on est extrêmement soudés, on a un groupe qui est particulier, moi j'ai jamais connu ça. Et on a la chance d'avoir quelques éléments, je pense à Christophe Tartari par exemple, Kevin Ekfeuille, qui apporte une joie de vivre, une gaieté, Sacha Treille, et qui font que les plus vieux se sentent rajeunis et les plus jeunes ont profité de l'expérience un peu paternelle de certains joueurs. Donc on était un groupe, une grande bande de copains. Et... Ça a été le grand côté positif par rapport à l'an dernier. Et puis il s'est avéré que toute l'année, on a eu des moments plus ou moins faciles et tout le monde a su pousser dans le même sens justement parce qu'il y avait ce ciment-là qui avait bien pris.
Briançon, demi-finale. Les choses très sérieuses commencent pour les Grenoblois. Vainqueur de la Coupe de la Ligue, deuxième de la saison régulière, puis large vainqueur de Chamonix en quart de finale, 3-0. Les Brûleurs de Loups ont cette fois en face une très grosse cylindrée du championnat. Pour moi, les demi-finales, c'était certainement une finale avant l'heure. Je crois qu'aujourd'hui, il y a... rien enlever à cette équipe de Morzine qui a vraiment bataillé fort jusqu'au bout. Mais une fois que Morzine avait éliminé Rouen, nous on savait que si on battait Briançon, on devait aller au bout parce que de toute façon on avait l'équipe pour, on avait le mental pour et on avait aussi toutes les forces vives qui étaient présentes. C'est-à-dire que c'était, je crois cette année, depuis de nombreuses années, c'est la première fois qu'on arrive aussi loin dans la compétition avec aucun joueur blessé. Mais bon, la demi-finale, elle a été sacrément accrochée. Quatrième match, ce soir-là à Briançon, Grenoble joue sa saison, mené 2-1. Ça passe ou ça casse. Moi, j'avoue qu'à la fin du premier tiers, malgré le 2-0, vu la manière dont ils jouaient, les joueurs, j'avais pas de doute. Pas de doute, vraiment pas de doute. Moi, je les sentais totalement dans le match. Et je dirais que même, c'était à contre-courant le 2-0. Et puis alors, t'as ce dernier tiers qu'ils ont fait. Ils m'ont bluffé. Ça a été un moment unique dans ces séries finales parce qu'ils sont allés au bout d'eux-mêmes. Et j'avoue que là, ils ont été plus qu'à la hauteur. Et c'était beau à voir. Parce qu'il y avait une forte, forte émotion, une forte intensité.
Et il y a eu un gros frisson, je pense, qui est passé dans le dos de tout le monde. C'est vrai que ce match-là, où les rebondissements étaient incroyables, où on était au fond du trou et tout d'un coup, au sommet de l'affiche, ça a créé une sorte d'osmose, une sorte de... Bon, on y a tous cru, quoi, d'un coup, et quand on croit tous en quelque chose et qu'on a le potentiel qu'on avait dans ce vestiaire-là, c'était vrai qu'il ne pouvait nous arriver que des belles choses, quoi. Moi, l'image que je retiendrai de ce moment-là, c'est... Non seulement c'est le fait qu'ils soient revenus au score et puis qu'ils aient mis ce troisième but à 4 contre 5, mais c'est aussi cette dernière présence qu'il y a eu alors que Briançon jouait son Vatou à 6 contre 4, où moi j'ai vu Patrick Valchak plonger, alors que jamais, on se dit mais jamais il doit faire ça, quoi, parce que c'est un risque énorme. Derrière, ici, il se fait battre, c'est un 6 contre 3, il plonge. Il loupe le palais, il se bagarre, il arrive à retoucher le palais, l'autre s'en mêle les patins plus ou moins, les crosses, j'en sais rien. Christophe arrive, ils sont à se battre là sur cette ligne bleue, il arrive à pousser le palais devant lui, à s'arracher, à aller jusque dans la cage vide, puis voir l'autre derrière, Terglav, qui n'en pouvait plus, quoi. Qui a essayé de tout faire, qui a même lancé sa crosse pour essayer de faire quelque chose. Il n'en pouvait plus, on a l'impression qu'il avait une remorque, et Christophe qui s'envolait vers la cage adverse pour mettre ce quatrième but. Enfin, la libération. Hey, vous l'avez fait, les mecs, et vous n'êtes pas morts. Et jusqu'en bout, maintenant. Allez, vous le jurez, les mecs. Allez, okay. Jusqu'en bout. Ouais, c'était un moment fort. Parce que là, ils ont fait vibrer toute la patinoire. Mais quand je dis vibrer, nos supporters, notre groupe, tout le staff, je parle même pas des dirigeants, parce que je pense que... Ils devaient être encore plus stressés que nous, et surtout l'équipe d'en face. Ça y est, c'est fait, Grenoble est en finale après un cinquième match gagné 3-2 contre Briançon. Direction Morzine avec un moral d'acier. Cette première manche va être stupéfiante. Face aux leaders de la saison régulière, les Brûleurs de Loup vont offrir une véritable démonstration. Un feu d'artifice ouvert par Martin Mazza, ça fait 1-0. Sacha Treille va doubler la mise. On est déjà à 2-0 à la fin du premier tiers. Et le deuxième tiers sera celui des internationaux français. Baptiste Amar marque le troisième but. Et puis c'est Jean-François Bonnard qui aggrave le score sur un caviar de Kevin Ecfeuille. On est déjà à 4-0. Troisième tiers, suite du calvaire de Morzine à Moria. Jimmy Lindström d'abord, puis Christophe Tartari porte le score à 6-0. Oui, 6-0. Et on est bien en finale de la Ligue Magnus. Morzine va sauver l'honneur, en tout cas ce qu'il en reste. Ça fait 6-1. Et Martin Paquet rappelle que les patrons ce soir-là, ce sont bien les Grenoblois. Score final 7-1, tout simplement époustouflant. La patinoire de Morzine est sous choc.
Le score est anecdotique, c'est une victoire, donc que ce soit 7-1, 3-2 en prolongation, en pénalty, de toute façon ça change rien. On sait que demain on ne va pas gagner 7-1, ça c'est sûr. L'équipe en face est passée un peu à côté du match. Donc ben, demain on reprend 0-0 et puis c'est reparti pour un match. C'est reparti et ça commence comme la veille. Ludek Broz ouvre le bal. Deuxième tiers, Broz toujours lui, double la mise, puis Martin Maza alourdit le score. 32 minutes de jeu, déjà 3-0. Morzine réagit et réduit le score. Mais dans la foulée, Benoît Bachelet redonne de la marge à Grenoble. Fin du deuxième tiers, 4-1. Troisième tiers, un autre match commence. Comme une bête blessée, Morzine Avoria se démène et remonte. 4-2, et puis bientôt 4-3. Il reste alors 14 secondes de jeu, 14 petites secondes, et l'incroyable se produit. Égalisation de Morzine, 4 partout. Morzine est revenu au début du troisième tiers avec des intentions tout autres. Ils ont pressé énormément et on est tombé dans le panneau. On a commencé à commettre des fautes d'indiscipline et on a payé des erreurs cash. Voilà, tout simplement. Ouais. La prolongation sera fatale. Morzine s'impose 5-4 et égalise à une manche partout. C'est forcément un coup dur pour les gars, ils viennent de prendre un coup derrière la cafetière. Maintenant, c'est des hommes, ils vont se relever. On savait que ça allait être dur, ça n'allait certainement pas jouer en trois matchs. Donc maintenant, on a l'avantage de la glace et on fait les deux prochains matchs à Grenoble en montrant le même visage que le premier soir. Retour à Grenoble. Au programme, deux matchs. Les Brûleurs de Loup ont donc devant eux l'occasion unique de plier cette finale à la maison devant leur public. Pour la 18e fois de la saison sur 24 rencontres, on va jouer à guichet fermé. Contrairement aux deux manches à Morzine, ce début de rencontre est très serré. Mais au quart d'heure de jeu, les Brûleurs de Loup trouvent la faille. Grenoble est un club qui forme des talents. En voici la preuve. Martin Millery ouvre la marque. Deuxième tiers, 30e minute de jeu. Les Hauts-Savoyards réagissent. On est à un partout. Le troisième tiers va être terrible. Troisième tiers, c'est donc là que tout va se jouer. Grenoble est un club qui s'appuie sur des jeunes, on l'a vu, mais aussi sur des talents venus de l'étranger. À l'image du duo tchèque, Broz-Maza, une entente parfaite. Broz d'abord a marqué, puis les Tchèques vont dégainer leur combinaison tant de fois répétée et réussie cette saison. Broz pour Maza démarqué, ça fait but. Ce duo est magique, score final 3-1, encore une victoire et le titre est dans la poche. Thank you.
Comment vous sentez avant demain là? On a les clés dans la poche là. Hein. Ben, il faut jamais être trop confiant parce que on a vu ce qui est arrivé à Morzine le deuxième match. Donc, je crois qu'il faut aborder le match comme si c'était. Ça va être 0-0 la série. On se préoccupe pas que ça prend la victoire et on gagne chaque période une à la fois. Ce serait important de finir ça demain. Ce sera pas facile de. On veut surtout pas retourner là-bas. Donc. Lendemain matin, il est 11h. Dernier entraînement pour les Brûleurs de Loups, l'ambiance est décontractée, mais on est déjà concentré sur le match de ce soir. En coulisses, les derniers billets s'arrachent. 19e match de la saison à guichet fermé. Le plus beau, le plus stressant, le plus grand. Et notre Ligue Magnus 98, elle est où là? Alors la Ligue Magnus 98, il ne me semble pas qu'il y ait de réplique. Puisque finalement la coupe est systématiquement remise en jeu et qu'en l'occurrence je crois que la fédération a prévu une petite réplique systématique pour tous les clubs. Au cas où il y a de la place là, pour sur l'étagère? Il y a toujours, on trouve comment toujours des solutions, c'est des bonnes solutions. Ben voilà, idéal, trop beau. Super, super génial, on va qu'il se relâche. Ouais, allez. Bah ouais, mais attention, parce que des fois, ils se font reprendre un ou deux buts. Souvent, ils se relâchent Grenoble quand ils mettent nos trois buts. Alors moi, j'ai plus de sous, alors ce sera le dernier match. Parce que moi, j'ai plus de sous. Oui, on doute, 5-1, on se dit bon, 4 buts quand même, ça peut pas arriver. Puis 5-2, 5-3, 5-4, on se dit quand même, ça commence à ne pas sentir très bon. Et puis surtout, on se sent incapable de réagir, c'est ça qui est difficile. Bien sûr, tout le monde se disait, on va y aller, on va aller mettre ce sixième but qui va nous mettre à l'abri, mais voilà, tout le monde en était totalement incapable. Ce que je retiendrai surtout, c'est les 3 dernières minutes, 4 dernières minutes. Où là, le public a eu un rôle. À mon avis, il a eu un rôle.
parce que j'ai jamais vu Pôle Sud sursauter, sauter comme ils l'ont fait. Et on va dire donner cette énergie. Remonter à 5-4, ça a été assez douloureux. Mais bon, voilà, écoutez, c'est magnifique. Ils sont contents, on est contents, voilà. Il fallait pas être cardiaque. Parce qu'ils nous ont fait le coup à Morzine samedi, alors ça commence à faire drôle, hein. C'est une grande fierté, ce titre. Ouais, ça va. Il le mérite, je pense. Il le mérite à nous aussi, hein, parce que... C'est terriblement bon. Terriblement bon, et en même temps, on a tellement été nuls au troisième tiers que... C'est difficile à savourer, je pense que ça va prendre encore. Allez, une heure. Dans une heure, ça sera extraordinaire. D'avoir un public incroyable, il y a 3500 personnes tous les matchs, un groupe de supporters qui nous suit partout, dans toute la France, et c'est une victoire aussi pour eux parce que c'est bon d'être soutenu comme ça. Pour la fin du film, ton prénom, ton nom et merci, comme tu le sens, la caméra en une phrase. Christophe Tartarié, alias Jean-Michel, merci pour tout, champion de France, on est content. Teddy Trabuché, merci à tous. Nicolas Tomasini, manager du Brûlé Bordeloup, je vous embrasse tous. Antonin Manavian, super, on a gagné, merci. C'est cool. Joanne Montessineuse, bonsoir, merci. My name is Roger. I've been here 3 years now, and finally I can rest and we win the Coupe Magnus, and I'm very very happy. Jean-Luc Blache, président, merci et grand merci. Sébastien Carrier, préparateur physique. C'est grandiose, c'est une grosse satisfaction pour beaucoup de choses qu'on a mis en place avec l'administratif, avec le staff et avec les joueurs qui sont les principaux protagonistes de cette performance-là. Thank you to the camera. One word. Brad Woods, thank you to the camera. Eddie Ferry, merci avant tout, je suis obligé de le dire, à ce groupe. Kevin Ekfeuille en premier, tous les autres, qui est un groupe fantastique, je suis extrêmement fier. Et si j'en parle plus longtemps, j'ai des larmes aux yeux parce que c'est un groupe qui est fantastique. C'est avant tout une bande de copains et une histoire d'amitié. Je m'appelle Sacha Treille et je remercie tout le public grenoblois pour cette saison merveilleuse. Et regardez mon ami Teddy, c'est le plus fort, le plus beau, le plus fort des éléphants. Ah les Grenoble, la choucroute. Simon Bachelet, je voudrais bien évidemment remercier chacun de mes partenaires un à un, mais ce serait sûrement trop long et... Ils se reconnaîtront parce que je pense qu'on a vraiment vécu une belle aventure tous ensemble cette année. Martin Paquette, thank you, merci. Et que fait Kevin, 22 ans, joueur de Brûlé Bordeloup, merci à vous. My name is Martin Massa, and thank you very much. Milano Martin, merci. Frédéric Dort, puis quoi encore après?
Ah, merci. Ludwig Bros, merci beaucoup. Jimmy, thank you very much. My name is Patrick. Yeah. Patrick Walchuk. Yeah. And I want to say thank you to every fans in Grenoble. Jean-François Benard, 1m80, 90 kilos, 36 ans bientôt. Victor Valet, thank you very much. Bah, j'appelle Cyril Papa, numéro 11, attaquant. Et puis, j'ai merci à tous les supporters qui nous ont suivis pendant toute l'année. Benoît Machelet, juste un petit mot à ma femme et mes enfants que j'adore. Nicolas Antonov, ailier droit de Grenoble, on va dire. Et bah, merci à tout le monde. Hein. Patrick Roland, merci pour cette incroyable saison. C'était fabuleux. Merci public. Vous avez été, le dernier match, vous avez été extraordinaire. Merci beaucoup. Willy Libert, responsable logistique au club du GMH 38. Et ceci est le club de fin. La chou, la croûte, la chou, croûte. Down, ma fleur. Ouais, on a gagné. Ouais, on va faire la séance publique ou pas, moi, donc. Ouais, vas-y. Oh, la crêpe pendant deux semaines. Valim, Valim qui cherche un partenaire. Les spectateurs commencent à pousser les brûleurs de loup. Reprise de volée. Oh, magnifique. Le premier but de Baptiste Amar entre les jambes du gardien Bronsard. Et l'ouverture du score après une minute de supériorité numérique. Ils n'auront pas traîné à profiter de cet avantage des brûleurs de loup. Beau lancer. Le Tekel vient de se tourner par Ferry. Power play de Briançonnet. Shoot et but. L'égalisation de Briançon. Au revoir en tout cas. Ce but au ralenti. Briançon qui remonte en contre. Attention, c'est dangereux. Avec Martin Vaz, qui tente un beau lancer de Royer, bien arrêté par Ferry. Dufour à le palais, il centre et but. Le but de Briançon, belle construction là derrière la cage de Di Ferry pour ce but briançonné qui vient un petit peu crucifier les Grenoblois. Petite touche froide quand même sur l'ensemble du public de Pôle Sud. Donc 53 là, il faut absolument s'organiser et puis marquer rapidement. Avec bon Johnson qui revient, qui ressort du coin, qui cherche un partenaire pour Valim. Valim tranquillement, prend le sang de la patinoire, redonne à Johnson. Il y a un surnombre au deuxième poteau, attention. Et une reprise de volée bien arrêtée par Bronsard. C'est toujours dans les cross grenobloises. Lindstrom qui redonne à Valim. Valim derrière pour Johnson. Johnson Valim. Ah, un nouveau tir de Lindstrom, ce but. L'égalisation, on ne sera pas traîné de Lindstrom. Et ben voilà, il y avait des SMS qui l'encourageaient tout à l'heure. Ben, il marque un but capital pour les brûleurs de loup. Valim qui passe avec Feuille, à Valsac. Valsac qui rentre en débordement, passe derrière la cage. Cherche sa partenaire, trouve. Sans se poser de questions. Ah, c'est le deuxième but de loin, là, on va le revoir au ralenti. Ouais, c'est un but magnifique. Et il le passe au cordeau de Valsac qui va déborder toute la défense, contourner la cage. Et là, Amar, là. Ah, il a une reprise de volée, la lucarne. Voilà, le gardien était masqué, il n'a pas pu voir. Oh non, mais en finale! Joie de toute l'équipe. Et Gérard Guénon également qui exulte sur son banc. Les Grenoblois s'imposent 3 buts à 2. Merci Grenoble, merci Grenoble, merci Grenoble, merci Grenoble, merci Grenoble.
Deux mois après la Coupe de la Ligue, c'est la Coupe Magnus, c'est-à-dire on est champion de France. C'est quand même quelque chose, Grenoble qui est une ville olympique, Grenoble qui est une ville à la montagne, bah, s'honorer d'être brillante également dans ce domaine-là. On est très heureux. Est-ce que vous avez un petit chouchou dans l'équipe? Allez, dites-nous-le. J'en ai deux. Le capitaine, bien entendu, parce que, bon, parce qu'il est très talentueux, il est très bon. Et c'est pas simplement les jambes, c'est pas simplement les bras, c'est aussi la tête. Et puis, bon, mon chouchou, vraiment, c'est le gardien. Parce que... Il est fort, lui, hein. Il est vraiment très, très fort. Et il m'a fait trembler, il faut bien dire. J'ai failli exploser hier soir dans le dernier tiers-temps, vous en êtes rendu compte. Et il m'a dit, mais vous n'avez pas compris, monsieur le maire, c'était par élégance. Ah, il ne fallait pas humilier Morzine. Et j'ai trouvé ça très beau, la grande classe. Comment vous avez vécu cette finale? Tendue? Tendue à la fin, oui, mais formidablement. Non, moi j'ai toujours cru en la victoire. En plus, c'était à la fois enthousiasmant, émouvant de voir la foule debout pratiquement sur les sièges, encourager son équipe. Elle ne pouvait pas perdre. On les connaît de qualité, et puis ils avaient la foule derrière eux, donc c'était un moment formidable. Est-ce que vous avez un chouchou dans l'équipe? Votre copain, monsieur le maire, en a deux. Je veux savoir si vous en avez un ou un. Non, je ne le dirai pas. Mes filles, qui sont aussi de très fidèles supportrices, ont aussi des petits chouchous. Moi, mais non. Elles le gardent pour elles. Sébastien, tu peux me dire ce que tu fais là? Là, je suis en train de filmer l'équipe de Grenoble et le match de Briançon-Grenoble pour avoir tous les changements tactiques que nous propose l'équipe de Briançon. Caméscope au point, il ne rate pas une seconde du match. Le métier de Sébastien, c'est préparateur physique, mais pendant une rencontre, c'est un espion qui traque les failles de l'adversaire. On les passe sur un logiciel de préparation qui permet de séquencer toutes les actions de jeu du match. Et à travers ce logiciel, on peut effectivement arriver à trouver les points qui sont intéressants pour nous. Lendemain de match, sur son ordinateur, l'entraîneur adjoint Patrick Roland va faire parler les images grâce à son logiciel. Il analyse tout, déplacement des joueurs, décryptage des schémas tactiques, vitesse de jeu. Ça nous permet surtout de faire des vidéos qui sont beaucoup plus courtes, avec des graphiques, avec des animations, bien cibler les points précis qu'on veut mettre en avant. Exemple concret avec cette image, elle permet de décortiquer le positionnement d'un gardien adverse. Et là, Patrick Roland a repéré une faille. Le gardien va découvrir la partie haute de sa cage en se mettant à genoux et en essayant de suivre le joueur avec la crosse couchée sur la glace. Donc dans le cercle, a priori, on a un espace dans lequel on peut mettre un palais, quoi. Voilà. Donc on voit le joueur qui sort derrière la cage, le gardien se penche et
comme il le fait systématiquement, le joueur sait que en sortant derrière la cage, il doit absolument la mettre en lucarne. Grenoble est le seul club français à posséder ce logiciel, par ailleurs utilisé par l'équipe nationale.